Bonjour, je m'appelle Maxime Lagacé, gardien de but des Golden Knights, la toute nouvelle équipe de Vegas. Oui, c'est sûr que rentrer dans le National avec les Golden Knights, ça a été, c'est très spécial. Ça fait pas longtemps, mais les gars dans le vestiaire me font sentir comme si ça faisait longtemps. Fait que non, c'est super le fun, puis c'est une belle expérience. Pour être un bon gardien de but, je pense qu'il faut être quand même une personne calme pour savoir faire part de toutes les situations, savoir peser les mots. Des fois, les critiques sont souvent portées sur nous autres. Mais non, je pense qu'il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis avoir une bonne personnalité, je pense que ça aide. Je me sens pas seul dans mon but. Je pense qu'il y a tout le temps des petites techniques que j'emprunte là, pour pas me sentir seul, que ce soit la respiration. Des fois, je me parle, des fois, je chante. Fait que non, c'est vrai, je me sens pas jamais seul. Puis j'essaie des fois de parler avec les gars là, quand ils sont dans la zone, ils ont pas la même. Fait que non, je me tiens quand même occupé mentalement. La pression, je pense qu'on la juge toute différemment. Puis moi, ma technique, comme j'ai dit, c'est la respiration, garder mon mental fixé sur le prochain tir. J'essaie de garder ça calme puis serein dans les buts. Oui, c'est vrai qu'on est le dernier souvent sur la glace, mais je pense qu'il ne faut pas faire abstraction de ça. Il faut garder notre focus sur le prochain tir. Puis pas penser à des affaires comme ça, c'est pas important. Pour notre job. Je pense pas à des affaires comme être le héros et le zéro. C'est sûr que tu veux tout le temps donner une chance à ton équipe de gagner en faisant un gros arrêt ou un bon jeu. Mais non, je pense pas à des affaires comme ça. Ça, c'est plus les affaires des fans de s'occuper de ça. La Coupe Stanley, en général, un rêve, c'était la LNH. Je pense que ça, c'était un des rêves de jeunesse que j'avais. Puis la Coupe Stanley, c'est probablement un step de plus ou un rêve au-dessus de jouer dans la Ligue nationale. C'est certain qu'en ce moment, je vis un rêve qui est dur à absorber à toute l'expérience, mais je suis sûr que ça va venir à un moment donné. Maxime Lagacé keeps it a 3-0 game. Je pense que c'est important de jamais abandonner. Je pense que si j'avais abandonné plus tôt dans ma carrière, je serais pas là aujourd'hui. Puis il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis de, comme j'ai dit, encore jamais lâcher, puis de travailler fort. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!